Gesundheitsministerium hat an den Amis schon jeden Sport außer Gymnastik und echtem Fußball verboten. Davon wusste ich nichts. Aber nicht nur. Willst du mal eine richtige Geschichte aus dem Arbeitslager mit? Parfait, à qui le tour? Wissen die Cowboys denn überhaupt, wie man Fußball spielt? Sie haben es versucht, was er sind die Gefangenen ausgegangen. Oh. Na dann. Das war lustig.
dossier sur la Nouvelle-Orléans que voulait Grace. À moi de jouer maintenant. On élève les nazis dans des granges ou quoi? Vous laissez entrer les radiations? Blaskowitz, je suis prêt à venir te chercher. Place-toi en hauteur et indique-moi ta position. Je vois parfaitement, Blaskowitz. J'arrive tout de suite. On forme une bonne équipe, toi et... Oh, merde. J'ai mal au crâne, mon frère. Aide-moi. Ça marche. Ça va aller ? Ouais, ouais. J'ai connu pire. J'ai juste besoin de repos. Ça marche. Hé, hey, Seth ! Vise un peu ! J'ai les robots de combat nazis tout frais pour toi. Une sacrée opportunité pour la science, la recherche et tout le bordel. Hey! Oh! Shoshana, regarde qui est là! C'est Monsieur Shimson Blaskowitz! Qu'est-ce que vous m'avez fait, Yingele? Qu'est-ce que... Je suis fasciné par cet artefact que vous m'avez rapporté. Fasciné et vexé. Les ingénieurs de la Dacirud qui l'ont créé l'ont appelé la clé de Dieu. Un terme que seul un crétin fini prendrait au pied de la lettre, déjà parce que ce n'est pas une clé. Enfin, ça n'y ressemble pas, en tout cas. Mais surtout... Surtout, je ne vois pas quelle peut être sa véritable utilité, et ça me... ça me rend dingue. D'accord. Sigrun a remis la machine Enigma en route. Ah, j'avais remarqué. Mais à quoi elle sert? Par demander des codes de passage. Contiennent des informations cryptées.
Monsieur Blazkowicz, en tant qu'écrivain, j'ai l'habitude d'observer les gens. Et j'ai observé notre ami, Max. Je vois au fond de lui une énorme tristesse. Il faut à tout prix l'aider. Je sais que Max adore les jouets. Cherchez-en quand vous sortez combattre les nazis. Je devrais jeter un œil à cette machine Enigma dont tout le monde parle. Gabriella, le signal de l'émission Propagande, vous avez pu le repasser? Oui, les opérateurs. Non, mais j'aurais aimé que ça passe plus de temps. J'espère qu'il est trop tard. C'est possible. Les rapports sont très inquiétants. Les nazis massacrent tout le monde. Ils brûlent tout sur leur passage. Tous ces pauvres gens. Moi, je me fais des nazis. Tu auras bientôt tout un tas de nazis habités. Dieu, j'espère. Ah, William, cette veste passe si bien, je trouve. Grace! Grace! Chut! Moins fort, idiot! Si tu réveilles Ami, je te défonce la gueule! Pour te dire que le dossier est prêt. Désolé. Mais ça m'a pris des heures pour l'endormir. Ok, allons-y. Autre nouvelle. Le ministre de la Sécurité publique, le général Engel, s'est résolu à faire disparaître des rues d'Amérique, je cite, « toute trace de criminalité et de terrorisme ». Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Père de l'histoire, racontant la traque et la capture de Blasco le Barjot. Nous poserons à Hélène la question qui nous brûle tous les lèvres, qui incarnera Blasco le Barjot? Un acteur peut-il vraiment réussir à incarner le plus grand criminel de tous les temps? Salle des commandes, dans 5 minutes. Chers frères et sœurs, pendant longtemps, mon réseau m'a parlé d'un chef de la résistance. Appelé... Orton. Je suis désolé, j'essaie toujours de calibrer cette perte. Orton. Orton et son équipe se sont retranchés dans le ghetto de la Nouvelle-Orléans. Mais ils sont encore en lien avec les dernières poches de résistance disséminées aux États-Unis. Alors, Blazkowicz, j'ai besoin que t'ailles les voir pour les rallier à notre cause, d'accord? Faut pas rêver. Ce sera pas une promenade de santé. Les nazis ont construit ce putain de mur tout autour de la Nouvelle-Orléans. Il y a des miradors lourdement armés et la côte tout entière est minée. Impossible d'approcher avec notre sous-marin. Mais vous savez quoi? On s'en tape carrément. Parce qu'on a autre chose. Pardon, vous aviez besoin du bateau? Ouais, tête de gland. Bagnard. Dis-moi sur quoi tirer, Grace. Toi et Fergus allez pénétrer dans la tour de garde du périmètre qui est située ici au lac Borgne. Désactivez les mines qui obstruent le passage vers le lac Pontchartrain. Ensuite, on entrera dans la ville et on fera monter à bord tous les survivants. La Nouvelle-Orléans compte sur nous, mes frères et sœurs. Oh.
J'ai besoin que tu passes de l'autre côté du mur. Il doit bien y avoir une ouverture. Cherche-la. Ça pourrait te permettre de passer. Hé, hey Blasco, j'ai pas croisé un seul civil depuis qu'on est arrivé. Par contre, on peut dire que ça grouille de boche. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Fergus, terminé.
Blazkowicz, rends-toi à l'ancien bâtiment de l'American Bank. C'est là où Orton et son groupe doivent se trouver. Vas-y, et persuade-les de nous rejoindre. American Bank? Ça vaut combien un dollar aujourd'hui?
Nouvelle-Orléans. Impossible d'effacer cette tragédie. Mais je peux punir les responsables. Je vais devoir passer par ce bâtiment.
Il faut que je passe de l'autre côté. Je pourrais peut-être utiliser cette grue. Voilà, la grue fonctionne. William, on vient de quitter la tour. Les mines sont désactivées. Fergus est parti en reconnaissance. On vient d'affronter des nazis. On a failli y passer. William, dis-je, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je crois que la grossesse me rend un peu... enfin... tu sais... excitée. Oh non. Tout le monde est branché sur cette fréquence? Ouais. Oui, Maxos. Piégé. Je vais tout faire sauter pour sortir.
On dirait que quelqu'un essaie de résister. Thank you.
Viens, mon fils. Prends ma main. T'es un pasteur ? Ah, ça, seigneur, non. J'ai ramassé ces fringues dans la rue. Je m'appelle Orton. William G. Blazkowicz. Blazkowicz, Blasco le Barjo. Bien joué, mec, mais t'es pas censé être mort. Je vais mieux, maintenant. Eh bien, Blasco le Barjo, je voudrais pas être grossier, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le coin, à part sauver nos miches ? Je suis avec le cercle de Kreison, et on commence une révolution. Vraiment. Ici, c'est le dernier refuge pour cette tumeur cancéreuse que sont les esprits libres et indépendants, et qui se répand au sud et au-delà. Nous sommes les exclus, les pauvres, enfin, tous ceux qui font partie de ces satanés bourgeois américains. Cet homme là-bas, qui se sert un verre, c'est mon vieil ami Paris Jack. Paris Jack est un cogneur et découpeur hors pair, un anarchiste convaincu et un sacré joueur de clarinette. J'ai pas raison, Paris. Et c'est pas le seul instrument que je sais manier. Les rues sont calmes, Orton. Y'a personne... Attends... Ouais, maintenant, les rues sont calmes. Elle, c'est le professeur. Elle est capable de repérer une mouche sur le cul d'une vache à 150 mètres. Ils prennent cher, ces salopards de nazis. Ici, on leur défonce le crâne toute la journée. C'est un déluge de balles qui s'amoncellent. Alléluia! T'as des bons éléments ici. Vous devriez nous rejoindre. On a toujours besoin de gens comme vous. Bon, et comment tu veux lancer ta petite révolution, Blasco le Barjo? Blasco le Barjo? Bordel de merde, c'est lui. Cette connasse de nazi t'a pas refroidi? Il semble avec notre... Ah merde, les revoilà. Paris, je me sens un peu lasse. Tu pourrais me remonter le moral? Voyons voir si c'est dans mes cordes. Tu sais, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas faire confiance à ceux qui tiennent pas le whisky. Alors assieds-toi, Blasco le Barjo. Et bois avec moi. Putain, borne, c'est quoi ce temps, voyou? La cuvée spéciale du père Orton. Eh ben, c'est du bruit. Ouais. Bon, écoute, Blasco, je respecte ton ambition. Mais on peut rien faire de plus. Le monde est plongé dans la merde et tout ce qu'on peut faire, c'est boire ce whisky en le regardant sombrer définitivement. Je m'attendais pas à ce que tu claques des genoux. On a lancé notre révolution bien avant l'arrivée des nazis. On était les premiers à lancer un mouvement pour les droits civiques, pour l'égalité entre tous. Tu connais le concept des droits civiques, Blasco le Barjo? Non, tu connais pas. T'as pas grand-chose dans le citron. Hein. Bon. J'ai passé ma vie sur le front au nom de la liberté, de la justice et de l'Amérique pendant que toi et tes potes manouches distribuaient de la propagande bolchevique à chaque coin de rue, alors ne viens pas me faire la morale, ok? Dis-moi, elle te sert à quoi ton égalité? Si t'es pas foutu de lever le petit doigt pour aider tes amis quand les coyotes grattent à ta porte? On s'est rebellé contre la machine de guerre impérialiste des États-Unis d'Amérique et ses rats de Wall Street qui, avec une hâte, envoyer les enfants du prolétariat crever sur des terres lointaines pour pouvoir tranquillement remplir leurs coffres. C'était pas leurs fils qui se faisaient égorger sur les plages. Oh non! Ils recrutaient des gars comme toi pour leur sale boulot, pendant qu'ils s'en mettaient plein les fouilles. T'es qu'un pion, la bonne poire de mec avec plus de dents en or que de pitié. Moi j'ai compris toute cette merde, et j'ai décidé de pas en faire partie. Et pourtant tu es là, flinguant pogne, butant du boche, tout comme moi. La différence c'est juste que t'es un poil à la bourre. Peut-être que si toi et tes potes aviez bougé votre cul avant, on aurait pu gagner cette guerre. Renverse pas cette merde sur la table, Orton. Ça pousse pas sur les arbres. Voilà un autre tir montant. Blasco le Barjo, gentil laquais de l'ordre bien établi. Écoute, mon pote, j'ai pas le temps pour tes conneries. À toi de choisir. Soit tu abandonnes et tu crèves, soit tu te sors les doigts et t'avances. J'ai pas envie de me battre avec toi, Blasco. Je suis trop fatigué pour me battre. T'es fatigué? Va te faire foutre, mon gars. J'ai deux bébés qui arrivent. Et il est hors de question que je les élève dans un monde dirigé par ces putains de nazis! Alors qu'est-ce que vous allez faire? Bande de contrebandiers bolcheviques de mes couilles! Qu'est-ce que vous allez faire? Cette carama si traître! Oh là là! J'ai jamais vu un type résister à plus d'un shot de la cuvée spéciale d'Orton. Je t'aime bien, Blasco. Je le reconnais. Tu manques pas de jugeote. Très bien. Lançons donc cette révolution. Vas-y. Paris travaille depuis plus d'un mois sur cette bestiole. Putain, comment tu t'es débrouillé pour la mater? J'ai fait sauter la ferraille, bidouiller quelques fils, et voilà. Paris, c'est du genre à apprendre vite. Il sait toujours quoi faire. Bon, c'est quoi le plan? Il va chevaucher, cowboy.
Ouais, monsieur, tu vas devoir le chevaucher et faire diversion pendant qu'on se faufile jusqu'au port avec tous les survivants de cette foutue purge. Compris. Enfin, faudra juste que ton bateau se pointe. Il sera là. Oh, doucement! Voilà, on se détend. Orton, tu ferais bien de remonter. Les Fritz débarquent comme des mouches sur du fumier. Check, check. Tout est prêt, Blasco le Barjo. À toi de jouer! Voyons voir ce qu'il a dans le ventre.
Anya ? Réponds, Anya, tu me reçois ? Je te reçois, William. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, ma chérie ? Je vais... Ça va bien. J'essaie de retrouver Fergus. J'ai contacté Grace. Le sous-marin arrive. On se dirige vers le quartier de Lakeview. Écoute, ne fais rien de stupide. Sois prudente. Tout ira bien. Anya, terminé. Norton, comment ça va? On rassemble les derniers survivants et on se taille d'ici. Rendez-vous au quartier de Lakeview. Ramène tout le monde. Notre taxi est là-bas. Tu sais, Billy, c'est peut-être une bonne idée en théorie, mais j'ai bien peur que les nazis nous ralentissent pas mal en chemin. Tu comprends? Je parie que je peux attirer leur attention. Prochain arrêt, le quartier de Lakeview. Prochain arrêt, le quartier de Lakeview. Prochain arrêt, le quartier de Lakeview.
comment ça s'appelle ce putain d'endroit? On est sur le toit des appartements de Lakeview. Je pense qu'on peut tenir un peu, mais ces nazis déferlent comme une putain de diarrhée. Blasco le Barjo, on a rejoint ton équipe sur le toit des appartements qui surplombent Lakeview. Ton moyen de transport ferait bien de se manier, parce qu'on tiendra pas longtemps. Hé, hey, bande de lâcheurs! Vous êtes partis en croisière avec notre bateau? Les nazis vident leurs chargeurs sur nous ici! Fergus, bien reçu. Désolé, on est retenu. On s'occupe du problème. Continue, t'arrêtes pas, Anya! Si on doit crever, on le fera les armes à la main! Grace! On a besoin d'être évacués immédiatement! À bord. Bijem est aux commandes d'un canon et couvre-les. Blaskovic, on vient de attaquer. Faites vite à bord du sous-marin. On a repéré Lausmerzer sur le radar. Il sera là d'une minute à l'autre. Magne-toi! Tout le monde est à bord, mais on peut pas partir. Les propulseurs sont coincés dans la boue. On est bloqué. Et là où Smerzer approche, on est foutu s'il arrive avant qu'on dégage. Je dis qu'il est temps d'utiliser le canon nucléaire. De quoi est-ce que tu parles, Fergus? Je pense que l'onde de choc de la bombe atomique propulsera le bateau à l'eau. Alors ça, c'est le plan le plus con que j'ai jamais entendu. Seth? Disons que pour chaque action, il y a une réaction opposée. Blaskovic, fonce au canon nucléaire et tire à la distance maximale. J'espère juste que ce sera suffisamment loin pour pas briser la coque.
tirer maintenant, Blaskovic. Maintenant. On dirait que Klaus Mertzer a perdu notre trace. On n'a plus rien sur le radar. C'est Frau Engel qui est aux commandes. Elle s'en sert pour traquer les terroristes. Mais il y a longtemps, Klaus Mertzer vagabondait d'une ville à l'autre, écrasant toute résistance. Dès qu'on déclenchait une révolte, on pouvait être sûr que Klaus Mertzer allait débarquer et y mettre fin en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Si on veut lancer une vraie révolution, il faut d'abord nous débarrasser de Klaus Mertzer. Bon, alors on prépare une attaque surprise. On s'empare de Klaus Mertzer et on l'utilise contre les nazis. Klaus Mertzer est protégé par un système de sécurité automatique appelé Odin. Je l'ai vu quand j'y étais. On va pirater le système, on trouve les codes d'Odin et on désactive cette merde. Ouais, mais ce genre d'infos, c'est du niveau top secret militaire. Seul l'Oberkommando doit les avoir. Les infiltrations dans les installations militaires nazies, ça me connaît. Je m'introduis dans l'Oberkommando et je vole les informations dans leurs ordinateurs. Aucun problème. Si, il y en a un problème. L'Oberkommando se trouve maintenant sur la planète Vénus. Vénus ? Depuis que t'as dégommé l'Oberkommando à Roswell avec tes putains de missiles nucléaires, les nazis ont essayé de recoller les morceaux comme ils le pouvaient. Et donc, ils ont déménagé l'Oberkommando sur une autre planète pour la protéger de nous. Tous leurs plus grands dirigeants, tous leurs plus grands secrets militaires ont été déplacés dans une putain de base sécurisée sur Vénus. Vénus, t'es pas prêt de foutre les pieds sur Vénus, mon pote. Même avec ton plus puissant arsenal et une putain d'armée destructrice, t'as absolument zéro chance de passer toute cette sécurité. Ouais, pas avec ce genre d'attitude. Il y a peut-être une chance. Dans deux jours, la dernière audition pour le rôle du célèbre terroriste William Blaskovic, dit Blasco le Margeau, aura lieu sur la mystérieuse base spatiale de Vénus, l'un des acteurs potentiellement choisis. Jules Redfield est en train de prendre un milkshake dans son café préféré, dans sa ville natale, en Californie. À quoi tu penses, Anya ? William et moi, on va prendre des milkshakes. Tous ces papiers sont dans la boîte à gants. Ok. Et pour lui ? Est-ce que c'est un nazi ? Vous êtes nazi, monsieur ? On les reconnaît même plus. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu ressembles à un morse. N'oublie pas ta valise. Rappelle-toi, tu es Jules Redfield, un acteur professionnel. Tu te rends sur Vénus afin d'auditionner pour le rôle de William Joseph Blaskovic. Tu te rends là-bas sur invitation personnelle, alors la sécurité devrait être minimale. Bonne chance. Monsieur Redfield ? Monsieur Jules Redfield ? Bon, oui, c'est moi. Je suis Hélène, la réalisatrice du film. Toutes mes excuses pour ce long voyage, mais mon producteur a exigé un lieu sécurisé et il a toujours eu un faible pour les décors tape à l'œil. Suivez-moi. Ah, j'ai pas pris ma valise. Quelqu'un va la porter pour vous. Venez, venez. Bienvenue. Bienvenue à l'audition, Monsieur Redfield. Maintenant que vous êtes tous là, je vais vous demander de bien vous préparer. Vous n'avez droit à aucun document pour cette audition, alors mémorisez vos lignes avant que le producteur arrive. Il est assez explosif, alors faites très attention à vos paroles et votre comportement en sa présence. Monsieur Redfield, je ne peux assez insister sur l'importance de connaître vos lignes par cœur. Votre script est sur la chaise. Je serai avec vous dans un instant. Je dois rester discret. Je vais laisser le jeu d'acteur au pro. Je dois surtout pas griller ma couverture. Alors, c'est votre agent qui vous a inscrit ? Non. Le directeur du casting m'a vu dans une émission mystère. Il trouvait que j'avais le bon profil. C'est super excitant, tout ça. Vénus, quoi.
Mais c'est quand même un peu bizarre, non? Pourquoi Vénus? C'est quoi le problème avec elle? Le producteur est un gros. Le genre à faire venir tout le monde jusqu'à lui. Ouais. Vous avez fait de la scène? C'est quoi déjà votre nom? Roland? Ronald. Ronald. Non. Comment je vais faire pour me rappeler de ça? Il faut que je l'écrive. Non. Je tourne surtout dans des films et des téléfilms. À vos places, à vos places. Vite, vite. Hélène. Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja. Es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und besser konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen wir. Gott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Schauspieler, geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh oui, mein Führer. Et mes enfants l'ont lu aussi. J'ai adoré, Monsieur Hitler. Super bouquin. Monsieur Hitler... Handeln! Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist! Je vous demande pardon, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? Non, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? Non, non, mein Führer. Je suis originaire de l'Arizona. Oh! Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blaskowitsch. Oh. 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 Ah. Hélène. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Willen.
Moody. Mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit Ihnen. Un terroriste dépourvu d'humanité. C'est tout ce que vous êtes. Merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Et vous, vous êtes une pute nazie. Espèce de monstre! Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vais vous violer et vous tuer. Vous avez détruit la vie de tant d'innocents! Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Merde. Et j'anéantirai votre race de chien. Die Worte waren richtig, ja. Aber Sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie... Spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Un terroriste insensible. C'est tout ce que vous êtes. Et vous, une pute nazie. Oh, espèce de monstre. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous violerai. Jusqu'au trognon.
Vous avez détruit la vie de tellement d'innocents. Mais la race allemande renaîtra de ses cendres. Et j'anéantirai aussi cette race de chiens. Wie besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Oh. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Messieurs, comme vous le savez, ce rôle est très physique. William Joseph Blazkowicz n'est pas un intellectuel. C'est un homme d'action. Cette scène a lieu avant celle que vous venez de jouer. Blazkowicz s'apprête à poser la bombe pour massacrer les enfants allemands de l'orphelinat. Mais avant toute chose, il doit éliminer le brave soldat qui garde l'entrée de l'école dans une séquence de combat particulièrement brutale. Monsieur Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ya. Commencez donc. Chacun de vous improvisera une séquence de combat. Une fois le garde éliminé, vous terminerez la scène en lisant les répliques de la carte telles qu'elles sont écrites. En place, und action! Stop! Arrêtez! Oh, je saigne. Mince, on fait une pause. La réplique. Je dois voir un docteur. La réplique. Votre bravoure ne suffit pas face à un néandertal de mon envergure. Et puis, je ne sais me battre qu'à la déloyale. Je m'apprête à tuer des enfants innocents. L'avenir de l'Allemagne. Monsieur Redfield, je vous en prie. Mettez-vous en place. Monsieur Redfield, mettez-vous sur le repère, voulez-vous ? Monsieur Redfield, vous dépassez les bornes ! Monsieur Redfield, placez-vous sur... Und action ! Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. Los geht's! Und
C'est ça que vous vouliez? C'est ça que vous espériez? Sale enfoiré de nazi. Parce que c'est ce qui vous attend. Wunderbar! Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Platz kommen! Oh Gott! Er ist mehr als perfekt! Je vais vous aider à ranger vos affaires, monsieur. Was zur Hölle ist das? Accroche-toi, Adolphe. Je me barre d'ici avec tes codes Odin secrets. Ensuite, on volera à l'Ausmerzer, on tuera le général Engel, et on montrera aux Américains ce qu'est une révolution.
unvorstellbar klarer, heller Himmel. Daran kann man sich nichts ansehen. Das Atemberaubendste, was ich je gesehen habe. Das. Commando, voler les codes Odin du navire du général Engel. Un plan bien huilé. Je brûle. Voler les codes Odin du navire du... Général Engel. Un plan bien huilé. Putain, je brûle.
encore cette chaleur. Trop chaud, faut que je refroidisse.
Allez, mon gros, trouve un moyen de refroidir. Je brûle. Trop chaud, faut que je refroidisse. Allez, mon gros, trouve un moyen de refroidir. Je brûle.
faut que je refroidisse. Putain, je brûle.
Je brûle. Faut que je refroidisse. Putain, je brûle. Je brûle.
trop chaud, faut que je refroidisse. Je brûle. Putain, je brûle.
Putain, je brûle. Faut que je refroidisse. Ça a une vision cauchemardesque. Moi, c'est la plus belle chose que j'ai vue depuis bien longtemps. Déjà vu. Putain, je brûle.
Bienvenue à l'Oberkommando. Population, une belle bande de connards. Alors, connards, vous avez mes cododins ? Je dois à tout prix atteindre ce terminal principal et ramener les cododins pour la mission à Ausmerzer. Cododin. Où êtes-vous? Et voilà. Pourquoi les lumières d'urgence sont allumées? Où sont les autres? Il y a un problème. Tiens-toi prêt. Sera mémorable, Blaskowitz. Félicitations, Blaskowitz. Oh, ouais. Je pensais pas vivre si longtemps.
Santé de frère Blaskowitz, le plus grand dur à cuire que j'ai jamais connu. Blaskolvarjo. La vache, elle est vraiment mortelle cette tarte à la banane. C'est Max qui l'a fait. Sauce. Et maintenant, on boit un coup. Mon Dieu, ça va sûrement me laisser un trou dans l'estomac. Alors, c'était bien, Vénus? Est-ce que tu m'as rapporté un cadeau? Eh ben, la boutique de souvenirs était fermée, mais... je t'ai trouvé ça. Vas-y, parle-moi de ce vaisseau. Il faut absolument que je te parle du poisson d'argent. C'est le nom du vaisseau? Il est tout petit. Oh. C'est Grone. Oui, Frau Grace. Tiens, j'ai besoin de ton expertise nazie pour décrypter ça. Je ne suis pas une nazie. Si tu le dis. Bref, il faut que tu nous décryptes les codes Odin pour qu'on puisse désactiver le système de défense et pirater l'Ausmerzer. Oui, Frau Grace. Mais par pitié, arrêtez de me traiter de nazie. Oh, je suis désolée. J'ai froissé ton petit égo de nazie. Va falloir t'y habituer, chérie. T'es encore là? Merde, c'est déjà vite fait chier. Ok, c'est l'heure du toast. Camarades, mes frères et sœurs, merci infiniment. Demain, on va buter du nazi jusqu'à ce qu'on n'ait plus de balles. Mais ce soir, la vedette, c'est notre Blaskowitz. Allez, santé, Max. Allez. Hey, c'est Magnoul. Ma touche. C'est la mienne. Hey. Tiens. Santé. Oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est qui l'enfoiré qui a fait ce bordel dans les toilettes? Vous êtes des malades. Santé. Ils ont conservé ta tête à l'intérieur de ce bocal. T'es sérieux, Marjo? Poussez-vous. Santé. Allez, allez. Maxos, vas-y, colle-lui un peu. Maxos. Vas-y, William, il peut encaisser. Hé, hey, lâche-moi, la grosse. Dégage de là. Hé, hey, je suis commandant d'escadre, bordel. Allez, allez! Eso, eso! Allez! Et le whisky? Horton fait son whisky avec du maïs. Et on a essayé parfois avec de l'orge, mais je crois... enfin, moi j'aime le sec, mais il préfère le maïs. Alors... Fergus, allez, debout, tu dois prendre les commandes. Merde, où est ton bras? Grace, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre pilote est ivre-mort et qu'on devrait déjà être parti. Il peut voler dans son état. En tout cas, on peut être sûr qu'il pourra pas piloter avec un seul bras. Bon, Horton, Anya, filez-lui du café, quelque chose pour dessouler. Et Blaskowitz, essaie de retrouver son putain de bras avant que toute cette opération finisse en bordel généralisé. Fergus. Hey, réveille-toi. Tu m'entends? Hey. Fergus, c'est Anya. Oh. Hey. Allez. Non, monsieur. Je dois vous dire que...
sang, Fergus. Pourquoi il faut toujours que tu perdes ton bras? Je ne sais pas où se trouve le bras. Hey, Blaskowitz, vous voyez le plastron bélier tout rouillé dans le labo de 7? Je sais où vous pouvez en trouver un flambant neuf et en parfait état de marche. À la Nouvelle-Orléans... Fergus. 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 Hey, réveille-toi. Tu m'entends? Hey. Fergus, c'est Anya. Bonjour, mon ami. Vous l'avez retrouvé, Alain? Capitaine. Vous voyez le bunker nazi à Manhattan? Ces ports s'en servent de base opérationnelle. Salut, mon ami. Monsieur Blasco. Mon ami, Monsieur Stubbins. Oubliez de prendre ces médicaments et... Hey, Paris Jack. Dis-moi. Je cherche le bras de Fergus. Tu l'aurais pas vu? Peut-être. J'ai discuté avec Fergus hier soir. Salut. Tu vois cette nana là-bas? Putain. Et tu regardes pas! Bon, bref, écoute. Je voudrais lui donner cette rose. Et là, je vais lui dire un truc romantique. Et toi, t'es un romantique, non? Oh, de temps en temps. C'est ça. J'ai rien dire de tendancieux, hein. C'est une fille bien. Et je veux qu'elle me voie comme un type honorable. Alors... je vais lui dire ça. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Et là, je lui tombe à sortir avec moi. Si t'es sincère et que ça vient du cœur, alors ça ira tout seul. Oh putain, je suis nerveux. J'ai peur de tout foirer. Je vais jouer un truc. Ça t'aidera un peu. Oh putain. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Oh. Oh. Ça va pas? Tu me prends pour qui? Cette fois, j'en ai ras-le-bol de toi, saleté de Brad Pitt! Je vais te prendre les bonnes manières! Et donc, tu l'as vu sortir en courant en direction du hangar? Mm-hmm. Je crois que j'ai jamais vu un homme aussi furax. Merci. Cherche le bras dans le hangar. C'est là que Fergus... Quelqu'un a vu Fergus aller au dépôt de carburant du hangar? Peut-être que son bras est resté là-bas? Ah, ce livre de merde pourrait bien prendre feu. Hé, hey, Blaskowitz. Il y a un truc qui m'exaspère au plus haut point. Non, j'ai pas vu les mauvaises pépites. Allez, mon petit bras, où est-ce que tu te caches ?
Vous voulez me tuer ou quoi? Et voilà le travail. Le remède anti-gueule de bois du vieil Orton donne toujours satisfaction. Boum. Qu'est-ce que vous glandez tout cela, hein? On n'est pas censé assister à un briefing. La fête est finie, Blasco. C'est inconcevable. Incompréhensible. Hmm. Une carte du ciel? Mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Écoutez ça. Dans moins de 6 heures, Frau Engel fera son entrée sur le plateau du Jimmy Carver Show pour une émission en direct depuis Hollywood. Pendant que cette pétasse se fera lécher le cul devant toute la nation, on pourra s'infiltrer dans l'Ausmerzer, désactiver le système de défense Odin et lui piquer son vaisseau. Ensuite, on trouve cette pute et on la défonce. Alors ? Frau Grace, j'ai décrypté les codes Odin que Herr Blaskowitz a ramenés de Vénus. En fait, il s'agit d'un seul petit mot. Valhalla. Entrez Valhalla dans n'importe quel terminal Odin et vous pourrez désactiver tous les systèmes de défense automatisés. C'est magnifique. Maintenant, casse-toi, la nazie. Comme je disais, on va retrouver cette pétasse et on va la défoncer. Grace ! Quoi ? Ne me traitez plus jamais de nazi ! C'est clair ? Je ne suis pas une nazi ! Vous avez aucun droit de me traiter comme vous le faites, comme si j'étais une être inférieure, comme si je n'étais pas une être humain. Dites-le. Dites que je ne suis pas une nazie. D'accord, ça va, j'ai compris. T'es pas une nazie. Et toi? Je suis amoureuse de toi. Tu ne le vois donc pas, espèce de chat. Et ça fait mal. Parce que tu es trop stupide pour retourner mes sentiments. Mais je vais sécher mes larmes maintenant. Je vais t'oublier et passer à autre chose. Parce que j'ai pas besoin de toi pour être heureuse. J'utiliserai juste ton corps dans ma tête de temps en temps. Pour mon seul plaisir personnel. Et ça, tu pourras rien y faire. Sigrun. Quoi? Je m'en vais, vous êtes contente? Pas question. Tu restes ici. Tu vas venir avec nous. Ok, Sig. C'est toi l'experte. Il faut approcher rapidement et à basse altitude. Ça nous fera gagner du temps, avant d'être repéré par le radar d'Odin. Une fois directement sous la Ausmerzer, il faudra monter rapidement à la verticale. Ça nous donnera de meilleures chances de survivre à la salle d'accueil d'Odin. Avec un peu de chance, nous serons ressortis avant qu'Odin nous envoie un missile. Thank you.
y a 3 centres de commande Odin sur la Osmerza. 2 d'entre eux contrôlent le système de défense automatisé. Hugen pour les défenses à bâbord et Moonen pour celles à tribord. Et enfin le centre de commande principal Odin pour le vaisseau en lui-même. C'est compris. Par où on les atteint ? Un panneau de commande est caché dans le sol, au milieu de la salle. Il ouvrira la porte menant au centre de commande Hugen. J'ai trouvé. Les autres sections du vaisseau sont plus difficiles à atteindre de là où vous êtes. Anya, faites apparaître le plan du vaisseau sur le terminal et cherchez un moyen de les atteindre. William, trouve le centre de commande de Guin et désactive le système de défense à bâbord. Je reste ici pour mettre en place et retrouver dans le vaisseau. William, passe cette porte et trouve le centre de commande Hugin. Je reste ici pour trouver un moyen d'atteindre ce secteur du vaisseau. Thank you.
Alors, Valhalla. Bien joué, William. Les systèmes défensifs à bâbord sont désactivés. Reviens vite par ici. Je crois avoir trouvé un moyen d'atteindre nos autres objectifs. William, j'ai besoin d'aide. Dépêche-toi. William, saute dans la capsule qui est de l'autre côté. Je les ai reprogrammés pour nous conduire au sommet du vaisseau. Une fois là-haut, on aura accès aux autres centres de commande Odin. Attends. T'aimes, William. William, tu trouveras un autre conduit de l'autre côté. Il devrait te permettre d'atteindre le centre de commande Munin. Il faudrait que tu y ailles pour désactiver le système de défense à tribord. Je continue d'avancer vers le centre de commande principal Odin.
William, je m'approche du centre de commande principal Odin. Rejoins-moi dès que tu as désactivé le système de défense à tribord. Elle. Maintenant que le système à tribord est désactivé, tu peux regagner le hall de déploiement des troupes et escalader le bras de déploiement robotisé. Je suis juste devant le centre de commande principal Odin. Il y a du monde. Viens aussi vite que possible. Centre de commande principal. J'arrive, Anya.
contente de voir que tu te rapproches, William.
Chérie, je crois que je vais arrêter là. Ça va? Je vais bien. Putain de merde! Vaisseau est à nous, connasse. Regardez ça, Aaron Gull fait encore son numéro à la télé. C'était votre robe? J'ai cru que c'était un sac poubelle. C'est qui, là? Wunderbar! Wunderbar!
l'heure de la pub. Nous reviendrons avec le général Engel et Kepper. Juste après ça. Je peux rester ici. Désolée, mais je ne peux pas participer à ça. Pas de problème, Sig. On comprend très bien. Quant à vous autres, vous êtes prêts pour la révolution ? Stop, Gunther. Attendez. Quoi? Regarde. Merde. Reste à l'entrée. Va faire ce que tu as à faire, mon chou. C'est pas possible, ça peut pas être lui. Pitié, ne me tuez pas. Épargnez-moi. Vous sentez ça? Le destin à moi. Applaudissez les jolis cœurs de Guy Défer. On a payé cher pour les avoir. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pourboire. Bon, ok, allez, vous revoilà. J'ai une véritable héroïne à mes côtés. La plus grande personnalité jamais invitée sur ce plateau. La terreur des terroristes du monde entier, le général Engel. Ouais. Le général Engel. Très bien. Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'aimerais que vous nous parliez du moment précis où vous avez exécuté Blasco, le barjot. Et certainement, vous avez des livres de tempête d'émotions, non? En fait, Jimmy. Il est temps de faire valoir ton nom, Blasco le barjot. C'est Blasco le barjot. C'est Blasco le barjot, quoi. Blasco le Barjot représentait une effroyable menace pour tout le monde. C'était un démon ayant pris l'apparence humaine. Mais j'ai prouvé que même un démon tombe face au marteau de rectitude du Reich. Je promets ceci. Si parmi vous, des démons se cachent, nous les traquerons. Ils connaîtront le même sort que William Joseph Blaskowitz. Ils seront exécutés, confinés jusqu'à ce que plus rien n'entrave la sécurité des bonnes gens. Wouh! Vous avez entendu ça? Hein? Ouais! 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 Parfait! Super! Wouh! Voilà un discours puissant, général. Tellement puissant! Ça doit se passer au premier plan. Pour toi, Caroline. Évidemment. Nous avons versé beaucoup de sang et créé un certain chaos. Mais en fin de compte, j'étais totalement aveuglée par le fait qu'il avait enlevé ma fille chérie. Ma si grande. Excusez-moi. Oh, général. Général, je pense que je parle au nom de toute l'Amérique en vous disant que Sigrun. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais pour comment ? C'est un génocide ! C'est parce qu'on le pardon ! Je l'ai tué ! Oh non ! Non ! Oh merde ! Jusqu'à étouffer. Ce soir, c'est terminé. Ouais, ce soir, c'est terminé.
mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, ce soir, nous, les hommes libres de la Résistance, nous vous demandons de nous rejoindre. C'est des menteurs. Ils vous mentent. Et ils vous menacent, ils vous torturent, ils vous tuent. Ils vous forcent à vous soumettre. Ils vous oppriment. Ils ont fait de vos seules pensées un crime. Mais si ce soir, vous nous rejoignez, vous pourrez enfin parler librement. Ouais. Vous êtes avec nous. Ouais, absolument. Et si ce soir vous sortez dans la rue avec des couteaux ou des briques, ou rien qu'avec vos poings serrés pour combattre le pouvoir en place, alors vous serez des nôtres. Et au matin, vous regarderez vos mains. Si ce soir, vous prenez vos bébés dans vos bras et jurez qu'ils grandiront dans un monde libre, alors vous serez des nôtres. Vous avez oublié ? Ce sont eux qui ont apporté la guerre sur nos terres. Ouais. Et ils nous ont battus. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont exécutés. Mais vous savez quoi ? Ce soir, ils vont enfin comprendre qu'ils ont fait les cons avec le mauvais pays, mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, quand on se battra tous ensemble. Alors rien, ni personne, ne nous volera notre pays. Ce soir, il brûle. Ce soir, vous serez les nôtres. Blasco, pendant que ces gars partent botter le cul et révolutionner le pays, toi et moi, on va se payer du bon temps en éliminant tout. J'ai encore quelques petites choses à faire. Penche-toi sur la machine Enigma et regarde et fais ton micro. Je suivrai par radio. Ouvrons la voie pour notre boussole.
sang. Bon, je faisais l'inventaire dans le dépôt de munitions quand cette énorme rate dégueulasse m'a sauté dessus, comme s'il avait la rage. C'est le plus gros rat que j'ai jamais vu de ma vie. Mon ami, je t'ai parlé de mon cousin Dimitri. Il me défendait toujours quand un gosse me menaçait dans la cour de récréation. Il disait toujours... Dégage ou je te chie dans la bouche. Écoute-moi une seconde, j'ai intercepté des infos perturbantes. Écoute ça. Ça va. Les nazis préparaient une cargaison ferroviaire contenant des tablettes sumériennes en partance pour la zone 52, juste avant que vous ne la fassiez disparaître de la carte. J'ai demandé à Seth en quoi ça pouvait intéresser les nazis, et voilà qu'il me dit que la civilisation sumérienne a influencé le symbolisme de la Daatishu à cet époque. En gros, les nazis avaient utilisé ces tablettes pour décoder les artefacts de la Daatishu. Mais comme t'as rasé la base secrète... Salut, monsieur, s'il vous plaît. Quand on a quitté Manhattan, j'ai laissé derrière moi une boîte de pain. J'ai vu votre navette. Jaskowitz. Vous voyez le Vénus. Vous pouvez planifier la mission depuis la carte. Va bien. En tant qu'écrivain, j'ai l'habitude d'observer la journée. Cherchez-en quand vous sortez combattre les nazis. Bonjour. Non, pas vous.